UEFA Euro 2016 avec Coca-Cola, les pneus Continental, Hyundai, Kia, McDonald's et Turkish Airlines. Dans la chaleur du Vélodrome pour un moment rarissime. Oui, les Bleus en demi-finale d'un grand tournoi international, c'est rare. Les Bleus opposés à l'Allemagne, la grande Allemagne qui plus est championne du monde en titre, c'est encore plus rare. Ces Bleus qui ont assuré Vicente depuis la Roumanie, le match d'ouverture jusqu'à l'Islande en quart de finale. Ce soir, c'est un peu différent. Ce soir, c'est l'Allemagne. Ce soir, c'est l'Everest. C'est parti. Le coup d'envoi donné par Antoine Griezmann. Et il a retrouvé Matuidi qui cherche le bon Griezmann. Oh, si ça va au bout! Et la première frappe de cette rencontre sortie par Manuel Neuer. Juste avant la pause, pour ouvrir le score en faveur de l'équipe de France. En face, Neuer, Griezmann! Antoine Griezmann! Avec cette première frappe, oh là là, sortie par l'arrêt, la tentative de Kimmich du pied gauche. Pour la première fois par la France. Oh, quel arrêt! Et la parade pour mettre un magnifique point d'or. C'est 90 minutes. Là, c'est terminé. Les Bleus sont en finale de l'Euro et viennent terrasser les champions du monde en titre.